Salut tout le monde, je suis très heureuse de vous revoir sur ma chaîne une fois de plus. Alors aujourd'hui, je suis en compagnie d'un jeune entrepreneur qui vit en Allemagne, qui a décidé de prendre le courage de baser son entreprise au Cameroun afin de recruter et de partager son expérience et son savoir-faire au Cameroun avec ses compatriotes. Alors il est avec nous, il va nous expliquer comment est-ce qu'il a fait pour en arriver là, comme ça pour inspirer des jeunes et des étudiants qui, comme lui, veulent être entrepreneurs dans le high-tech ou bien dans... Les TIC au Cameroun. Exactement, les TIC. Je n'ai pas encore les termes exacts, mais on va apprendre tout ça avec lui. C'est tout de suite. Bonjour, merci beaucoup pour votre invitation. Je suis Epiphane Tchabom Damso. Jeune entrepreneur camerounais, donc j'ai fait mes études en Allemagne, plus précisément dans l'électrotechnique. Et après mes études, j'ai eu quelques années d'expérience dans des entreprises allemandes, dans le domaine du développement web et plus précisément dans l'hébergement web. Donc c'est un secteur d'activité où je m'y connais parfaitement bien. Et après, j'ai décidé de me lancer au pays, donc de me lancer dans le même secteur d'entreprise au Cameroun pour apporter ma petite pierre à l'édifice pour la construction de notre pays, donc pour créer les emplois. Et depuis 2015, disons plus précisément 2016, nous avons lancé au Cameroun notre plateforme d'hébergement web Camo Hosting. Camo Hosting sert proposer aux Camerounais un service d'hébergement web FIA au prix du Cameroun. Donc il est possible chez nous d'acheter un nom de domaine, un espace web, du certificat SSL et avoir un site professionnel donc, qui répond à toutes les normes internationales et un site qui est pratiquement toujours en ligne. Voilà grosso modo ce que nous faisons au Cameroun et ça marche plutôt bien. Voilà, donc raison pour laquelle j'encourage aussi des confrères, des frères qui aimeraient entreprendre chez nous de nous emboîter le pas. Et puisque nous avons besoin de beaucoup de personnes qui vont booster le secteur économique camerounais quant à ce que tous nos enfants, nos petits frères, qui puissent vivre chez nous avec ce qu'ils ont. Quoi. Voilà. La Camo, c'est, vous savez, lorsque j'étais jeune étudiant en Allemagne, dans notre milieu d'étudiants, lorsqu'il y avait un chef d'œuvre d'origine camerounaise, on avait toujours ce petit mot, c'est Camo. Donc, c'est Camo pour dire, ça vient du Camerounais. Et donc, raison pour laquelle, lorsque j'ai décidé de créer mon entreprise, de mettre sur pied une entreprise camerounaise, donc, je me suis inspiré de cela, en fait, donc, pour quitter de ce que c'est Camo, donc à Camo. En tant que Camerounais, avoir fait les études ici en Allemagne, il est de notre droit donc, de rentrer, voilà, donner notre petite contribution au développement de notre pays. Quoi. C'était ça, un rêve d'enfance qui pour moi se réalise. Nous avons certes dans le savoir-faire allemand, mais fait par des Camerounais. Donc j'aimerais vraiment préciser cela. Nous, c'est vraiment du produit, pur produit camerounais. On le fait tout au Cameroun, tout est monté au Cameroun, mais avec la précision, l'insistance de la qualité allemande. Voilà. La différence entre Camosal et les concurrents, c'est que les concurrents revendent les hébergements des Occidentaux. Par contre, à Camosal, ils ont des hébergements avec eux. Donc, ce sont leurs propres hébergements qu'ils vendent. Merci. Donc, j'aimerais encore ajouter une fois de plus que les prix, forcément, pour nous, il était hyper important d'avoir des prix qui reflètent le niveau de vie du Cameroun. Voilà. Parce que la plupart de nos concurrents, je ne veux pas mal parler de la concurrence, certes sont des hébergeurs, mais des revendeurs d'hébergement web, des produits occidentaux. Et naturellement,
C'est ça qui fait la différence, c'est la prévalence entre nous et nos concurrents. C'est que nous ne sommes pas les premiers au Cameroun à faire dans ce secteur d'activité, dont l'hébergement web, il y en a tellement. Mais vu la qualité que nous proposons à nos clients, ils sont satisfaits du travail que nous faisons. Ils sont satisfaits pour la plupart, certes, voilà, ils sont satisfaits. Et c'est ça qui fait notre force. Également possible pour les compatriotes camerounais qui vivent à l'étranger, aux États-Unis, comme tu l'as dit tout à l'heure, en France, en Belgique ou même en Allemagne, d'être client chez nous. Donc, comme moyen de paiement, nous acceptons les cartes de crédit, PayPal. Donc, il est possible donc, pour tous ces clients donc, d'acheter chez nous facilement en ligne et en temps réel. Entreprise, il serait très difficile d'avoir une entreprise comme celle-là et de travailler tout seul. Camour a une équipe, donc tout ce qui est proposé, c'est fait par une équipe qui se cache là derrière. Donc nous avons des développeurs, nous avons un service client, nous avons une secrétaire, donc on a toute une équipe. Je peux ajouter quelque chose. L'entreprise CamoSal prévoit donc dans un long terme d'organiser des séminaires de formation donc dans les TIC. Donc, question de montrer aux jeunes frères camerounais intéressés par ce secteur d'activité les techniques modernes de développement web et aussi comment pouvoir monétariser un projet sur Internet. Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire pour, à travers un site Internet, gagner son petit pain quotidien. Donc, il serait possible donc, pour toute personne intéressée par la monétarisation de sites internet de savoir comment ça se passe, comment ça fonctionne, de suivre des séminaires de formation chez nous. Et au moment venu, nous allons publier des informations non seulement sur nos sites internet, mais également aussi sur des sites partenaires avec des conférences dans les différentes villes, à Douala, Yaoundé, Bafoussam et Boya. Et naturellement, tous les intervenants sont bilingues, donc ce sera en français et en anglais. Donc, si vous êtes intéressé, si vous avez des questions, si vous cherchez du travail, donc n'hésitez pas, si vous êtes à Yaoundé ou à Douala, vous partez juste à Melène, à côté de la garde présidentielle, et je crois que vous allez voir la pancarte CamoSal. Donc n'hésitez pas, soyez curieux. Apprendre, se cultiver. Vous pouvez avoir l'opportunité d'avoir des masterclass, d'avoir des cours pour vous aider à approfondir vos connaissances, pour vous mettre à jour en fait sur les nouvelles technologies. Si vous avez un site web et que vous savez pas comment faire que ça fructifie de l'argent, je crois que moi-même je viendrai à la masterclass parce que j'ai besoin des cours, j'ai besoin des formateurs comme ça en fait pour parce que des fois on ne sait pas tout, on ne sait pas tout. Il faut voir des professionnels pour en savoir plus. Donc, merci infiniment Monsieur Tchabo. Merci aussi déjà vous de m'avoir invité. Donc c'est un honneur pour moi d'être avec vous. Merci. Et j'encourage votre initiative. Donc voilà, donc de nous mettre à l'honneur. Merci aussi. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à consulter la barre d'infos pour regarder toutes les informations concernant la société CamoSal. Alors, portez-vous bien. On se dit à bientôt. Ciao.